Ne dites pas que c'est cet enfoiré qui va acheter ce putain de boîte de nuit. Ah, il manquerait plus que ça, tiens. C'est vous qui voulez aller créer la boîte de nuit ? Eh oh ! Vous voyez, vous êtes devenu mieux, c'est ça ? Hein, le diable est comme des hommes. Bah écoutez, j'ai pas que ça à faire. Bah écoutez, j'ai pas que ça à faire, moi. Ah, ah là, je vous entends, là. Oh, bah en plus, vous êtes bouché. Oh là là, ouais, c'est le pompon. Bon, c'est vous qui vous avez donné ce... Ouais, c'est moi pour les clés, ouais. Oh putain, en plus on a une tafle comme directeur. Bon, non, venez, je vous présente les locaux. Y'en a où des putains? Parce que ça m'intéresse pour mon business. Ah bah ça, hein. Je pourrais pas vous renseigner. Mais peut-être que vous savez sans savoir. Ah, je sais pas, parce que vous dites oh putain, donc je croyais qu'il y en avait peut-être une quelque part pas loin. À côté de moi, y'en a une. Allez, grouillez-vous, j'ai pas que ça à faire. Putain, mon truc tout ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. T'as vu mon cœur bien en vie celle-là. J'ai déjà plus la patience de m'occuper de... prendre pour une femme. On me cogne mon caca. Et en plus j'espère même me manquer de respect. Vas-y. Et ça va être quoi encore ce soir? On repart pas mon véhicule. J'ai très envie de faire une grosse marche arrière là. Putain, je suis tenté. Grosse marche arrière là, sur son. Par choc là, pour bien l'acheter. Est-ce qu'il grille le feu rouge? Oh, il a grillé le feu rouge! Ta fille, elle n'a même pas freiné à temps. Bon, allez, on va se garer dans le parking. Qui va bien? Pom pom. Bon, elle est où celle-là? Oh mon dieu! Oh bah elle est banquée toute celle-là! Oh 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 oh! Oh la tafiole vient de tomber par terre, elle a fait quoi? Elle a trébuché sur elle? Eh, c'est n'importe quoi! Putain! Allez, c'est le méchant! Ah, mais comme c'est le monsieur qui nous a endommagé le 4x4, on va lui faire facturer sa bien comme il faut. On va payer les réparations. Bah, j'attends les secours. C'est moi le... Vous avez reçu une facture. Ah ouais, direct. Taisez-vous, monsieur, vous êtes inconscient. Bon alors, qu'est-ce que vous êtes arrivé? J'ai oublié de manger mon hamburger avec vos histoires. Ouais, il est pas glycémie. Ouais, ouais, bah bien, bien. Au moins, ça me permettra de rembourser les réparations du 4x4 que vous avez endommagé.
Comment ça, vous êtes encore un petit con? Vous êtes un petit fragile, ça c'est sûr, hein. Fragile de l'estomac, fragile de tout. Je sais, je vous mets une peine, vous tombez par terre direct. Bon, c'est, je vous présente le con. Rhume, non? Comment? J'avais un rhume, non? Un rhume, voilà, vous foutez vraiment de ma gueule, hein. Vous foutez vraiment de ma gueule, monsieur, hein. C'est ma vraie voix. Ça veut dire que j'en ai un pantalon. Je vous en mets un paquet, hein. Faut la joie de vivre. Ouais, bah faites attention. Bon, voici votre... Je pense que vous avez tout derrière, si vous lâchez les alcools, faudra vous rendre en magasin. Mais bon, ça je vais pas vous l'apprendre. Au quartier. Bon, je suppose que vous avez pas de maison, vous êtes nouvellement à la rue, c'est ça? Quoi? Vous êtes nouvellement arrivé en ville, c'est ça? Donc ça, c'est pour vos petites, hein? Comme ça, vous pourrez inviter vos copines. Bon. Je pourrais inviter les putains. Oui, bah, ça vous regardez pas, ça. Ça, c'est votre histoire, si après vous l'avez fait arrêter pour prostitution. tout ce que je ferai, c'est légal, hein. Bon, ici, vous avez le frigo pour cacher vos cadavres. Non, je rigole. C'est pour vos alcools. Normalement, vous avez accès à votre coffre, etc., etc., ici, directement. Après, pour le reste, c'est le muscle F6, hein, mais bon, je pense que vous allez apprendre vite fait. Non, justement. Ouais. Donc là, c'est pour faire un défilé avec vos... Bon, vous avez vu la porte derrière, hein. Bon, c'est petit, mais c'est cosy. Et je peux juste vous demander, j'ai vu que vous avez mis un appareil photo, mais j'ai regardé tout à l'heure, j'arrive pas à le faire fonctionner. Oh, c'est avec le muscle F3, venez. Vous mettez devant l'appareil photo, hein. Vous avez le petit bouton F3, vous appuyez dessus, allez-y. Non mais vous venez ici là, ici, allons-y. Ouais, bon bref, on s'en fiche un peu. Bon, vous appuyez sur le muscle F3 qui se trouve sur l'appareil. Vous choisissez ensuite animation. Vous choisissez ensuite animation avec... Et ensuite, ce sera prendre des photos, c'est le numéro 6. Le menu numéro 6. Et après, vous appuyez sur le muscle G. Vous enclencherez le flag. Le flag. Voilà. Du gros calibre en plus, hein. Oui, c'est du beau matos, hein. Alors, du coup, après, hop. Voilà, je le range dans ma poche. Oui, il va avoir mieux pour vous. Mais si jamais il pleut... Oh, ce serait dommage de gâcher la fête ce soir. Bon, je vous laisse avec vos locaux. J'ai une question, vous m'avez pas encore donné les clés, en fait. Vous n'avez pas les clés? Je vous ai fait visiter. J'ai pas encore les clés. La CCI n'a pas encore validé votre dossier, ce sont vos futurs locaux. Mais néanmoins, les PCR ne sont pas, n'ont pas été encore programmés pour vous, mais ce sera dans les brefs délais. Vous avez tout ce qui est bon. Vous pouvez déjà commencer à travailler. Maintenant, ils ont 40 ans, il faut encore leur tenir la main.
pommes de café, elle les fera leur tenir par la main et tout ça, même. C'est pas vrai. C'était mieux avant. Encore une porte mal fermée, probablement la compétence d'un... Mais c'est pas possible. Un pouce à gris de feu rouge. Manquerait plus que ça, tiens. Ça grille la feu rouge. Mais pas honte, monsieur. Vous avez grillé la feu rouge. Vous mettez en danger la sécurité des citoyens. Je vais appeler la police pour la peine, je vais vous dénoncer, monsieur. C'est pas vrai. Si. Alors, en aucun cas j'ai grillé un feu. Je vois pas où il y avait un feu. Vous savez ce qu'il y a marqué là ? Moi. Qui vous, monsieur ? Écoutez, j'ai vu griller le feu rouge là, vous avez fait n'importe quoi. J'ai pas grillé le feu rouge, j'ai pas. Il était rouge. Ouais, mais je suis daltonien. Ah bah ça c'est votre problème. Mais n'empêche que si j'avais eu un accident, vous auriez entraîné un accident, c'est moi qui aurais pris, hein. J'ai pas envie de me taper tout le taf, hein. Tout faute. Non, mais je fais attention quand même, vous inquiétez pas. Ah, et si vous aviez voulu mettre, ce serait peut-être pas plus mieux, peut-être. Comment? Ben ouais, vu que vous êtes daltonien, on veut vous le mettre, vous aimez la tête mieux. Je suis médecin. Bon, monsieur... Quoi, vous avez un problème? Bonne journée, j'ai du travail, vous avez du travail. Oh, vous êtes quoi? C'est quoi votre métier? C'est quoi? Ah, je préfère pas vous le dire. Oh! Rien n'est top secret dans ce bulle. Allez, monte, James. Ok, donc le petit roupin, c'est James. Je veux dire. Putain, maintenant ils savent pas conduire en ville. Ils viennent vivre des tarés. Je vous entends. Je m'en... Une ville de tarés.
Oh mon dieu, les flics! Oh, maintenant les flics, c'est ta fiole. Même les savent pas. Mon dieu, mon dieu. En sachant que les armes sur moi, ça va être un peu galère si je dois me présenter au commissariat. Allez, on se casse. J'ai vu sa petite chevelure écrémée là, je me suis barré. Ta fiole. Ah, monsieur! Ouais. Vous voulez pas un coup de main? Si, si vous voulez prendre de l'alcool. Bah écoutez, mon job de médecin, c'est de soigner, c'est pas de rendre les gens malades. Néanmoins, étant dans la capacité de vos véhicules, on va voir si je peux vous filer un coup de main. Je vous suis par contre, vous n'êtes pas policier, vous? Non, bah faites attention, ils conduisent comme des vrais chauffards, hein. J'en ai vu un faire un demi-tour là avec une voiture de sport et gris un feu rouge. Moi, je savais pas qu'il était policier. Donc du coup, je me suis rendu au commissariat, je vais ranger sa voiture, j'ai fait « Oh mon Dieu, que c'est pas vrai !» Bah, mais il faudrait quand même que vous ayez prendre une autre voiture, hein, parce que... Pourquoi? C'est mon véhicule. Très bien. Il est pas très voyant, votre véhicule. Bah si, justement, il est très voyant, c'est très bien. Bon, vous allez où, là? Vous allez chercher l'alcool? Ouais, je vais aller chercher l'alcool, ouais. Je vais aller chercher l'alcool, puis je vais aller chercher l'alcool. Je vous suis. Ça va. De quoi? Ah ouais, trois casses. Qu'est-ce que t'as, espèce de sous-merde? Tu veux des problèmes? Attends, tu vas voir que le bois je me chauffe. Bon, tu m'as fait des petites merdes, là. Attends, sors ton véhicule, on va voir. Allez, on fait un petit portail, là. Allez, c'est bon. Non, mais attends, vite, permets de faire ça, là. Ouais, vas-y, tu m'as fait tout moi, là, hein. C'est ça, casse-toi. Monsieur, où êtes-vous? Oh, j'ai pas son numéro. Ah, si. Véritable tafiole, même pas le matin en plus. Ah, faudrait peut-être m'attendre un peu, hein. Je sais pas, hein, je propose mon aide.
Bah excusez-moi, hein, j'ai dû menacer cette grenade, elle était en train de m'attraper de sous-merde. Oh mon chat, hein, je fais du sous. Pas de soucis, pas de soucis. Et vous êtes EMS, vous? Je suis pas EMS, je sais pas ce que c'est cette appellation, moi je suis médecin. Ah, médecin. Moi je suis médecin, je suis chirurgien. Comme métier, non? Là bah ouais, tout le temps stressé. Ouais, c'est pour ça que je cours un peu. Alors, je sais pas combien de litres elle fait ma voiture. Moi, avec place, j'ai vu très rouler comme ça. Hein. Il y a des caméras partout, des radars fixes. Après, je sais, c'est. Si vous Parce voulez, que j'ai tombé en panne d'essence. Ouais, si vous voulez engager un petit peu plus, hein, ça regarde que vous après. Les caméras, on les regarde en direct, non? Pas toujours. Ça dépend des circonstances. Enfin, c'est d'après ce que j'ai compris, hein. Parce qu'une fois, j'ai fait un accident et je peux vous dire qu'une semaine après, on est venu me chercher. Ah ouais, faites attention à vous, monsieur. Bon, allez, on y va où? Ça va. Allez au petit truc vert, mais il vaut mieux pas que je vous suive, moi. Pourquoi? Je vois pas bien votre voiture. Ouais. Non plus, je la vois pas bien quand je suis trop loin de votre voiture. Je vous vois à poil. Petit poulet, petit poulet. Pop, tu ne sais pas la loi, on te jettera pas dans le monde. Tiens, espèce de petit salaud. Avec des feux rouges dans cette ville. Ah, vous aussi, vous trouvez ça long? Ah, si vous voulez, on s'amuse, ça hein. Casse les couilles, hein. Mais vous avez pas envie de mettre la sirène, là? Bah, attendez, ouais, passez devant, allez-y. On rigole un peu. Allez, avancez. Allez, avancez. Vous direz que je cours ce que je suis fou et que je vous courrai après. Allez, avancez. Attends, moi je dirais que je suis en code 3. Ouais, j'ai trouvé un fou psychopathe qui roule avec un véhicule bizarre. Ah bah venez. Il y a juste derrière vous, là, ici, vous pouvez garder votre voiture ici. Bon, faites gaffe en traversant. Attendez, comment... Ah non, on peut pas voir, non. C'est musclé, monsieur.
Alors en gros, je suis arrivé. J'essayais de voir combien je pouvais stocker dans mon coffre, mais... Ah ça vous pouvez pas voir, vous, quand vous mettrez, de toute façon vous verrez. Si vous n'allez pas ouvrir le coffre de votre véhicule, il faudra quitter la ville et revenir vite. Ouais, maintenant je le vois là, le coffre, c'est bon. Bon, je suis désolé, j'ai un peu la haine contre les flics en ce moment. Bon, on a un budget de 20 000 en alcool. Hein. Wow, c'est déjà pas mal, hein. Je pense pas que vous ayez besoin de temps. Oh, du saucisson. De toute façon, ça périme pas à l'alcool, hein. Alors déjà, Allez, c'était bon pour je moi. vais prendre une petite photo avec mon téléphone, des bouteilles. Voilà. On va prendre des cacahuètes, hein. Les gens ils aiment bien les cacahuètes. J'ai pris des choses. Vous savez la petite saucisse. Un peu comme la vôtre. Ça était dans le slip là. Pour les emplois, hein. Parce que on a vite fait à finir cela. Quoi? Faudra vraiment essayer de prendre un cachet pour la toux ou quoi. Quoi, vous avez un problème avec ma voix? On dirait que vous êtes malade, c'est bizarre. Quoi, vous avez un problème avec ma voix? Non, qui me casse les couillons. C'est parti pour une autre. Bon monsieur, excusez-moi, je vous retrouve après un bon. Et je sais faire plusieurs verres avec mes bouteilles. Non, c'est une bouteille, ce sont des bouteilles individuelles, monsieur. Ok. Putain, ils sont casse-cou ces gens. Oh putain, pêche les poulets, allez. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils ont fait les poussins? Eh, c'est fermé!
mec, je peux pas ouvrir la porte. Vraiment quoi, je sais pas. Pourquoi me m'appeler? Oh putain, c'est vraiment des poussins. C'est fermé? Oui, c'est fermé, monsieur, je peux pas entrer là. C'est toujours ça, mais... Allez, je vais rester zen. Respirez. Bon, je commence à en avoir marre, j'essaie d'ouvrir la porte. Ouvrez! Ouvrez-moi cette putain de porte! Avant que je m'énerve! Oh, merci! Hein. Un peu plus, j'allais casser la fenêtre. Bon, il se passe quoi, là? Dépêchez-vous. Ouais, bah, je me dépêche, je toi. Non, mais c'est pas possible. Oh, ouais, vas-y. Parlez-moi, si vous m'entendez. Montez sur le toit, vite. Vous allez bien? Vous allez bien, cadet? Putain, faut qu'il se dépêche. Allez, putain de médecin, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh pourrait! Oh putain! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh c'est la merde! Oh mais... Bah ouais, qu'est-ce qui s'est passé là? Dites-moi! Non. Bah on sait pas, on a eu un... On nous a fait radio comme quoi il y a eu un problème. Oh putain, shampoo! Oh mon dieu, Vite, un cadeau là, un poussin là, quelqu'un vient à côté de lui. Vite, maintenant, vite. Commissaire 08, ça va? Maintenez sur l'épaule, maintenez sur l'épaule, je vais essayer de réanimer. Attendez, j'essaie de réanimer. Allez! Restez avec moi, monsieur. Par contre, il a le brassard vers moi, monsieur. Hein. Bon, allez, je vois qu'il y a un hélicoptère qui a explosé, là. Il est brûlé. Ouais, je pense que c'est ça, je pense. Bon, c'est bon, j'ai réussi à réanimer, je vais lui donner un boom pour que ça apaise. C'est son bras qui a été gravement brûlé. Il a été inconscient à cause de l'explosion. Bon, monsieur, est-ce que vous m'entendez? Monsieur le commissaire, est-ce que vous m'entendez? Bon, il s'en remet pas. Oh, décidément, la police dans cette ville est incompétente. Bon! C'est votre... Attendez, je vais m'occuper de l'agent, là. Donnez-moi ce groupe sanguin, s'il vous plaît. Je ne sens plus shampoo. Reculez, ça va faire mal. Reculez, agent. Reculez, je vais faire... Il y a la même blessure que vous. C'est le bras aussi, pour l'avoir brûlé au bras. Qu'est-ce qui s'est passé, commissaire? Je me rappelle plus trop. J'ai vu un hélicoptère, après j'en ai vu deux. Après j'en ai vu trois. Comment allez-vous? Sous-lieutenant. Ça va le coquet, toi. Bon. Vous savez que j'ai l'écho quand vous atterrissez... Pour information, monsieur, quand vous atterrissez avec votre engin volant, ne le mettez pas sur la piste ici. Mettez-le plutôt ici. Parce que sinon, il y en a un qui va superposer là et se faire exploser. Et ce serait dû se passer très probablement.
Ah mais on n'a pas pris d'hélicoptère. On en a vu un ici, après je me rappelle juste que j'en ai vu deux, et après j'en ai vu trois, et après plus rien. Et après, ok, bon. Faites attention à vous, hein. Je vous ai donné donc un bon, voilà. Vous l'appliquez sur les bras. Merci. Pendant 5 jours. Si vous avez des douleurs, revenez, on fera une radio. Allez, bonne. Putain, quel bande d'un capa. Ça va, vous vite. Ouais, ça va. Vite qu'on pouvait. Ah, oh, putain. Ah là. J'ai le cœur qui bat à 10 000, j'ai envie de le faire. Oh, putain. Ok, c'est... Ok. J'avais aller, on retourne. Putain, c'est pas vrai! Là, il y a la chasse à ma porte, et ça y est, je peux plus sortir. Oh, c'est bon, je vais m'énerver. Oh, que je vais m'énerver. Tu vas t'ouvrir une espèce de porte de merde. Oh, putain. Ouvre-moi! Je veux pas rester au milieu des poussins. Ouvre-moi, bordel! Quand quelqu'un m'ouvre, je veux sortir d'ici. Comment ouvre, s'il vous plaît, je veux pas rester enfermé dedans. Au milieu des poussins. Putain, en plus c'est les incompétents. Allez, c'est pas vrai. Ouais, merci. Bonne journée. Ah, enfin, que j'inspire un peu. Je suis claustrophobe en plus, vous devriez avoir honte. Vous avez pris mes collègues? Mais ouvrez cette putain de porte! Non, je veux pas rester là! Oh là là, mais c'est vraiment les incompétents, ces... Alors là, ça va chier. Bon, c'est le cas d'entre vous qui conduisait ce putain de 4x4 qui est au parking, là. Monsieur le médecin? Non, y'a pas monsieur le médecin. Mon 4x4, il est endommagé, là. Il est retourné, il est complètement à l'envers. Comment vous voulez que je sauve des vies si mon véhicule de fonction est torse? On vous attend pas bien, ça fait mal un petit peu aux oreilles. Regardez, il est tout retourné là, regarde. Bonjour monsieur. Ouais, je prends une photo là, c'est inadmissible. Je vais montrer à quel point la police est incompétente. J'ai envie dommage de véhiculer tout le monde, c'est... Ah, une petite photo là, allez, les flics ne savent pas se garer. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Je vous l'envoie sur Instagram, c'est juste... Hombre, vous avez dit quoi? Voilà. Moi, j'ai dit que j'avais mis une photo sur Instagram pour montrer votre incompétence. Voilà. Mon véhicule de fonction est hors service. Il est où votre véhicule? Il est juste là. 08. On va partir, on va aller chercher le véhicule du monsieur. Tu prends 15, je prends 10. Et on y va. Ok, le véhicule de... Ben on prend chacun un 4x4. Vous prenez celui-là, je peux en sortir un autre, c'est pas un problème. Allez. Ouais, sortez-moi ce 4x4 que je puisse sortir. Le Colingo. Non mais, même les potards, je peux même pas rouler avec la roue, je suis arrière complètement en service. Je porte plainte. Bon, il y a quelqu'un là-dedans ou quoi? Il y a quelqu'un là-dedans ou quoi?
Bah, il se passe des choses étranges, j'ai vu un câble courir comme un poulet. Faites quoi avec votre arme? Faites quoi avec votre arme, madame? J'aime faire rien. D'accord. Bon, vous pouvez sortir votre 4x4, s'il vous plaît, j'aimerais bien porter plainte et prendre des photos, là, parce que ma roue arrière est complètement service, là. Tu peux sortir. Moi, je peux rien sortir. Le véhicule, le 4x4, s'il te plaît. Il est là. Monsieur qui parle avec l'agent hispanique, vous avez un chewing-gum collé sur les pieds. Pouvez-vous faire un saut, merci. Bon, bah, comment je vais pouvoir sortir ce... Oh, purée, regarde la roue! Oh, mon Dieu, je vais prendre ça en photo tout de suite! Monsieur? Qu'est-ce qu'il y a, 15, c'est qui conduisait le 4x4 qui était là? C'est qui conduisait le 4x4? Aucune idée, hein. Moi quand je suis arrivé, je me suis garé là, il y a encore un 4x4 là-bas. C'est jamais personne de toute façon. Hein. Tu ne sais pas qui s'est garé là, dans ce 4x4? Pas du tout. Non. Okay. Allez, oh mon Dieu. Il a littéralement défoncé mon genou arrière. Oh mon... J'allais voir faire des trucs bizarres. Monsieur, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que... Un de mes collègues n'a pas vu votre véhicule et... Oui, bah, en attendant, c'est moi qui vais devoir payer la réparation. Hein. Vous voulez combien pour réparer? Mais j'en sais rien, je vais devoir faire un devis auprès du... Ok. Mais après, je peux vous avancer des sous? Non, ça va aller, je vous ferai une... D'accord. Gardez-moi ça! Regardez-moi ça, j'ai plus de roues, j'ai plus rien, j'ai plus de cheveux arrière là, les roues sont complètement tordues. Oh mon Dieu, je peux pas rouler avec ça, c'est pas possible. Je peux sauver personne avec. Ok, attends. Ok, toi, viens. C'est pas cette voiture. Qui peut... Putain, jamais personne qui vient. Ouais, qu'est-ce qui se passe?
Bah, ces policiers, ils sont incompétents, ils sont tapés dans mon véhicule, là, j'ai plus d'essieu arrière, j'ai les roues, elles sont renfoncées. Elles sont un V. Je peux plus rouler. Tu veux je ramène ma dépanneuse? Bah, si vous avez, parce que là, moi, je peux rien faire avec ce véhicule, il va falloir que j'en sorte un autre. J'ai pris des photos pour faire le constat, parce que c'est inadmissible. Ok, bah, j'arrête, je vais chercher ma dépanneuse. Merci beaucoup. C'est bon, y'a pas de poulet par là. Tiens, c'est pour avoir collé sous moi. Ambulance. Il a même pas mis le frein à main. Allez, on la met au milieu de la route, ça va lui faire les pieds comme ça. Ah, je n'ai pas... Détente. Tant qu'il n'y a pas de message, tout va bien. Ça m'a fait du bien de taper contre cette Dodge et de l'avoir mise au milieu de la route. Popo. Il y a un garage. Oh.